Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Colin McRae sur PlayStation 1. Et on continue notre petit rallye de France, qui se place en Corse, avec une petite WRC ce coup-ci, la Toyota Corolla. Vous l'avez bien vu, il y a donc 7 spéciales sur Rallye de Corse, les 6 traditionnelles et une super spéciale qui apparaît un rallye sur deux. Ah, ça a l'air quand même moins tortueux que les spéciales précédentes. On a un passage extrêmement rapide au début, par contre la fin, elle va être infernale car si on sort du rythme, c'est cuit. Bon, on voit quand même qu'il y a un peu de marge, entre guillemets. Bon, les murs à droite à gauche, mais... Il y a moyen de que ça se passe bien. Il y a un petit peu de pelouse à gauche. Et très bon départ, d'ailleurs, hein, vous le constatez. Donc c'est voilà, ouh, égalité. On a perdu du temps tout simplement parce que n'ayant pas trouvé la stabilité, ben, les petits Z nous empêchent de prendre de la vitesse. Ouh, ça attaque dur. Hein. Et vous voyez, il y a des petits décrochages qui font perdre beaucoup de temps et de précision. Et heureusement qu'on a les murs. C'est plus du bobsleigh que du rallye. Hein. En plus, on remarque qu'on a le poussiéreux et du pavé, donc je crois que le Tour de France là. C'est pas Paris-Roubaix pourtant qu'on fait. On repart enfin sur l'asphalte. Un peu plus propre. Et cette petite Corolla, elle avance bien quand même. Hein. Ça saute dans tous les sens là, c'est très bosselé, asphalte très sale. Donc une adhérence assez précaire. Hein. La fin est difficile. Oui. À mon avis, on va perdre beaucoup de temps. Hein. C'est dommage que ça roulait plutôt bien. Hein. Et on finit la spéciale avec un bon chrono. Est-ce que c'est le record? Non, à une seconde, c'est pas mal. Hein. Et en fait, ça s'est très très bien passé. Voilà, voilà, j'espère que cette petite spéciale vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à partager. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée et bon jeu. Salut !